Il y a un changement énorme bu fi nek ni gis nga dans les temps bobu ñun ñi sax juddo guñu fi port la won fi yépp quartier la won avant bante yi mi ngi nekkon au fond ci li nga xamanteni ni mom lañu expliquer su suñu yaay bante yi au fond la nekkon fi yépp quartier la won donc il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites par la mer. C'est une réalité parce que de tous les temps on a vécu l'avancée de la mer. Pour preuve là où nous sommes, une bonne partie du quartier en mer. Il y avait même des mosquées, des terrains de football. Mais vous avez vu actuellement, la mer est juste à côté de nous. Donc ça, on peut dire que ça vient des impacts de l'avancée de la mer. C'est une réalité que nous vivons depuis les années, je dirais 80. Parce que moi, je suis fonctionnaire dans ce département. Et dans beaucoup de programmes de lotissement conduits par la ville et l'État, avant, à chaque fois, des lots de parcelles étaient réservés à ceux qui habitaient près de la mer parce qu'ils subissaient déjà l'érosion côtière. En tout cas, avec un accompagnement bien sûr de l'État ou bien d'autres partenaires, etc., que ça soit orienté, que ça soit en tout cas organisé de telle sorte que personne ne soit lésé.